Validé. Non mais je suis sûr que c'est le lutin qui a fait ça. Le lutin. Ah, la machine. Qu'est-ce qui se passe? Lily-Rose a un problème, là faut que j'aille la voir très vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis coincée dans le filet. Lily-Rose, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis coincée dans le filet là. Il y a les lutins qui sont arrivés, j'étais en train de faire le sapin et ils m'ont mis dans le filet. Oh, c'est une blague. Attends, je vais essayer de te libérer. Mais c'est impossible. Mais si, c'est possible. Non mais là t'as été pêché comme un poisson, on dirait. Ah, c'est bon. Ah, attends, là c'est bon, normalement tu peux sortir. Attends, merci. Me dis pas que c'est des lutins qui t'ont fait ça. Mais si, là, ils sont débarqués comme ça et... T'étais en train de découvrir le sapin et ils sont arrivés. Oui, résultat, y a rien. Ah, bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. C'est bientôt Noël, normalement tout le monde est content, sauf que chez nous c'est une catastrophe. On a déjà fait une vidéo sur la chaîne Pink Lily et Esteban. Les lutins, ils arrêtent pas de nous embêter, c'est énervant. Je sais pas si vous connaissez les lutins farceurs, mais en gros c'est des petits lutins du Père Noël. Enfin, c'est des anciens lutins du Père Noël qui font cette taille-là à peu près, ils font 20 cm et ils arrivent quand c'est bientôt Noël pour gâcher la fête. Et chaque jour ils font un truc, c'est horrible. Et là aujourd'hui ils ont fait ça. Hier on vous l'a filmé, Lily-Rose n'était pas dans la vidéo, mais on vous l'a filmé. Ils sont arrivés chez nous. D'ailleurs tu raconteras peut-être dans une vidéo, mais en gros ils ont réveillé Lily-Rose, ils lui ont demandé d'aller dans la forêt et Lily-Rose elle a été naïve, elle les a crus, elle les a suivis dans la forêt. Mais moi je pensais que c'était vrai et tout, je pensais qu'ils étaient gentils. Et là aujourd'hui ils arrêtent pas de nous mettre la misère là, c'est depuis ce matin je me réveille. Le canapé, il y avait plein de trous dedans et ils avaient mis plein de décorations de Noël partout dans la maison, avec des trous dans le canapé. J'avais mis des décorations de Noël dans les toilettes. Bon, je sais, c'est bizarre. Ils ont tout cassé, ils ont tiré la chasse d'eau, le toilette était bouché. Mais le pire, c'est que normalement, les lutins farceurs, ils font une bêtise par jour, mais là, ils en font au moins 5 par jour. Là, il y a tellement de lutins farceurs chez nous qu'il y a plusieurs bêtises par jour. Bon, le filet, en plus, il sent le lutin farceur à fond là. Ils ont vraiment une odeur particulière, ça pue des pieds. C'est horrible, Allez viens, justement je devais commencer une vidéo. On doit aller voir Peppa Pink en bas. Parce que apparemment il a une technique pour chasser les lutins farceurs. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va en piéger, parce qu'en principe ils font des bêtises la nuit. Donc on va essayer de les piéger en mettant justement des trucs collants. Comme ça ils vont se coller les mains dessus et ils arriveront plus à sortir. C'est la même méthode que pour chasser des souris. Et normalement... T'entends? C'est quoi ce bruit? On dirait Peppa Pink. T'entends ou pas? Bah ouais. Peppa Pink, ça va? Peppa Pink! Ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Peppa Pink! Mais Peppa Pink! Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais il faut les aider, regarde! Ah non! Ah non, il est là, purée! Je vous ai bien piégé! Je vais revenir avec mon équipe! C'est pas fini! Joyeux Noël! Je te l'avais dit. Attends, on va le libérer. Non mais je suis sûr que c'est le lutin qui a fait ça. Bah oui, c'est le lutin, aidez-moi là. Regardez ce qu'il a fait. Oh là là, Peppa Pink. T'es tout embobiné sur la chaise. Oh là là. Vite. Bon attends, c'est lui là. Mais comment ils font là avec leurs petits bras pour faire ça? Lily-Rose. Salut. Tu t'en es sorti pour cette fois. Alors il était comment mon filet? Mon filet? Bah pas drôle. Hey Peppa Pig, elle était comment ma petite corde là? Ma petite corde du Père Noël? Attends toi si je t'attrape. Tu peux bien m'attraper. Mes copains vont venir vous gâcher la vie. J'en ai vraiment marre de ces lutins là. Ça y est, ça fait qu'ils reviennent. Lâche-moi. Il m'a pris le contrôle. Je vais t'en faire voir de toutes mes couleurs. Lâche-moi Peppa Pig. Non, pas là. Viens. Oh là 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 là. Bon, on va les laisser tous les deux avec le lutin farceur. Dis-moi à la fin du mois de décembre là, pour que tu sois là. Viens, ça va? J'espère que Peppa Pig a pas eu trop mal. Ouais, bon, à mon avis, ça avait l'air d'aller. Regarde. Regardez-moi ça! Non! Je vais vous enfermer! Mais bouge, là, on t'aime pas! Je vais vous enfermer ici! Vous allez voir si vous allez passer des bonnes fêtes de Noël! Ciao les losers! Il a fermé! J'en peux plus de! C'est horrible, faut vraiment trouver une solution là! Il a vraiment fermé à clé! Au pire, vu qu'ils arrêtent pas de nous pranker, on pourrait peut-être essayer de les pranker, non? Eh ben, ouvre-moi vite!
Gustave, c'est vraiment Peppa Pig. C'est vrai, ah, rentre. Oh non, non, j'en peux plus, c'est quoi ce lutin? Attends, attends, je perds ma clé. C'est la deuxième fois qu'on le fait. Hey, il avait réussi à nous enfermer là. La clé fonctionnait plus. Tu l'as vu là, il est où? Heureusement, ça a pas duré longtemps là. On a pu réouvrir la porte. Bon, écoutez, on va faire ce qu'on avait prévu, on va les piéger, ok? Et comment tu veux faire ça, Sébastien? Bah, à chaque fois, toutes les nuits, ils sortent à plusieurs pour nous faire des pièges. Tu sais combien ils étaient là? Non. Il y en avait trois. Oh là là, trois. Il y en avait trois. C'est une blague? Bah, non. Trois? Non, mais ils étaient pas deux de base? Non, mais ils sont de plus en plus nombreux, c'est infernal. Il y en avait un, et il y en avait un dans les toilettes, il était en train de tout mettre le papier toilette dedans. Bah oui, je l'ai empêché. Cette nuit, ils ont bouché les toilettes avec du papier cadeau, avec des décorations de Noël. Moi, j'en ai assez. Hein. Et là, Lily Rose, elle était carrément dans le filet. Mais oui. Dans le filet de pêche. Ouais. Elle n'arrivait plus à sortir. Et tout à l'heure, la queue du chat, plein de Nutella. Oh. Bon. Écoute. On va faire ce qu'on avait dit. On va essayer de les piéger. Voilà. Donc, en fait, on va mettre en place des pièges dans la maison. Comme ça, quand ils essaieront de rentrer dans une pièce, ils vont se retrouver collés au mur ou ils vont se retrouver bloqués. Et demain, on aura juste à les récupérer et à les renvoyer dans leur forêt. On en capture un ou quoi? Ah oui. Hein. On essaie d'en avec ça. Ouais, mais à mon avis, ça va pas marcher. Mais t'as vu, ils réussissent toujours à sortir des trucs et tout, à sortir des pièges. Et pour qu'au final, nous, on se fasse pranker encore plus fort. Écoute, ils ont pas des pouvoirs magiques, non? Non, bah non. Si, mais bon, on est plus fort qu'eux. Ouais, je pense pas, ça va. J'ai une première idée avec du scotch comme ça. Vas-y. Avec du ruban adhésif. Ce qu'on va faire, c'est que on va en mettre tout autour d'une porte. Comme ça, quand ils vont vouloir rentrer, ils vont se retrouver collés. Pas bête. Attends. Et le filet, on peut le mettre pareil, à l'entrée d'une porte. Regarde. Attends, j'ouvre la porte. Hop. Carrément ici. Mets le filet. Mais les chats, ils vont vouloir. Les chats. Ah oui, bah, il faut pas que les chats ils soient piégés à la place des lutins. Hein. Ah non, Sinon. Vas-y. Mets-le entre la porte et le cadran. Comme ça? Ouais. Ouais. Hop. Voilà. Et à mon avis, bah, du coup, quand ils vont essayer De rentrer au Pink Lily Shop, parce que les amis, c'est bientôt Noël, du coup, ils essayent de voler les cadeaux. Et dans notre Pink Lily Shop, on a plein de cadeaux, on a des pulls, on a des crayons Pink Lily, on a les albums de Lily Rose. Et tous les jours, ils essayent d'en voler, c'est incroyable. Bon, allez. Peppa Pink, on essaye? Vas-y, on fait semblant. Mais non, le piège. Oh. Attends. Allez, au pire, on le met sur la vis qui est là. Voilà. Donc, Peppa Pink, vas-y, éloigne-toi. Appelle-les. On éteint la lumière. Ouais. Comme ça va les attirer. Ils vont croire qu'ils peuvent venir voler dans cette pièce. Ouais. T'as la lumière là? Ouais, vas-y. Je garde la lumière de la caméra. Vas-y, on va se cacher dans la réserve. Ouais, ouais. Vas-y. Bon, les amis, on va se cacher dans la réserve. Et en gros, dès qu'ils voient qu'il n'y a personne dans la pièce... Non, mais allume pas la lumière. Dès qu'ils pensent qu'il n'y a personne dans le Pink Lily Shop, ils vont essayer d'aller voler des trucs à l'intérieur. Du coup, on les attend. Ouais. Et normalement, ils vont se prendre dans le filet. Ok. J'espère que ça va marcher. Bah oui, si ça marche pas, là, par contre, j'ai aucune solution. Ouais. Allez, t'es prête? Attends, je vais essayer de filmer. Viens ici. C'est bon, ça a marché. On en a eu un. C'est celui que j'ai poursuivi. Il est là. Ah, il voulait rentrer. Oh, c'est trop bien. Il y en a un autre. Vas-y, va l'attraper. Ah, c'est bon. Ah, mais pourquoi pas que ça marche? Mais par contre, comment faire pour sortir maintenant? C'était super rapide. Ah, vous m'avez bien piégé. Ah, sortez. Ah, sortez-moi de là. Oh non, vite, il va s'enfuir. Non. Non. Il va s'enfuir. Oh non. Attrapez-le. Il est où? Il s'est enfui. Il est où? Attention. Il est là. Non. Reviens ici. Il a marché sur la queue du chat. J'espère que le chat va bien. Il est où? T'as pas eu mal? Il veut partir du coup le chat. Ah non, mais là à cause de ses lutins. Regardez. Oh, pauvre chat. Peppa Pink a marché sur ta queue à cause du lutin. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Il est où? Il se cache, regarde. Ah, il est dans la machine à laver. Il est dans la machine à laver. Vite. Hop. Vite, on le met. Allume-la, on va le faire tourner ce lutin. Tu veux faire tourner? Oui, allez, on fait. Allez. Au tourniquet. C'est parti, mon kiki. Allez. C'est parti. Ça va marcher? Ah bah oui, j'espère. Ça t'apprendra à faire des bêtises. Attends, je lui parle un peu. Non. Ah, faut pas ouvrir? Non. Aidez-moi! Qu'est-ce que vous faites?
Tu rigoles moi, hein. Bon. Oh, allez, regarde, regarde, regarde. Vite, encore. Encore. Allez, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Allez. Ah. Oh là là, ça marche plus. Oh, mais je crois que c'est le lutin, il possède la machine à laver. À mon avis, il contrôle le... Ça tombe, il a cassé la machine à laver avec ses pouvoirs magiques. Allez. Allez. Pourquoi ça marche pas? C'est le lutin qui contrôle. Allez. Attends. Ah, voilà. Allez, 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 le lutin, ah, la machine, le lutin, le lutin, ah, la machine, le lutin. Non, j'arrête, moi, j'arrête parce que... Ouais, bah, écoute, t'arrêtes tout seul, hein, et s'il vient te réveiller en pleine nuit en te grattant les pieds, tu te débrouilles. Hé, vous êtes bêtes ou quoi? Oh là là, bon, viens Lily Rose. Bon, maintenant qu'on en a piégé un, les amis, il va falloir qu'on trouve une solution pour piéger les autres. Parce qu'on en a vu au moins 3. Donc on sait qu'ils sont au moins 3 dans la maison. Et malheureusement, s'il en reste un, ils peuvent continuer à faire des bêtises. Tant qu'il en reste un, ils vont continuer à faire des bêtises. Ouais. Bon, ça peut être quoi le deuxième piège? Je sais pas. Moi, je pense qu'on peut utiliser le scotch. Oh, bonne idée. Bon, on met ça où? Je sais pas, comme tu veux. Attends, j'ai une idée. Hier, ils ont fait une grosse bêtise aussi. Ils sont rentrés dans le garage. Ah oui, tu l'as enfermé dans... Mais non, mais je voulais aller dans le garage. T'es vraiment pas marrant. Pas grave. J'ai une autre idée. Viens, Lily Rose. Les amis, on va piéger tous les lutins ensemble. Parce que là, c'est trop ce qu'ils font. C'est infernal, c'est infernal. Ouais, prends, non, pas besoin du filet. Ils viennent toujours dans notre salle de classe. Ouais, c'est vrai. Et à chaque fois, ils écrivent sur les cahiers. Ils notent des bêtises sur les cahiers. Ils déchirent des pages des cahiers de Lily Rose. Du coup, ce qu'on va faire... Vas-y, on va mettre une bande de scotch entre les tables. Tiens, prends ça. Ouais. Mets une bande de scotch, comme ça, là. Mais dans le sens collant. Dans le sens collant, oui, dans l'autre bah sens. Oui, mais c'est collant. Hein. Dans l'autre sens, comme Et ça. Comment tu veux coller ça, ça Ah, ok. Hop. Hop, comme ça. Vas-y. Relie ça à différentes tables. Comme ça, quand ils vont vouloir passer entre les tables, ils vont se prendre dans les... Dans le collant du scotch. Ah, bonne idée. Ah, ça va être super bien. Non. Bon, allez, fais-en 2-3. J'espère que c'est pas les chats qui vont se faire piéger. Mais non. Tu vas pas dans le... Oh, bah, ils s'enfuient, franchement. On a des chats, c'est aussi des lutins farceurs. Ah, ouais. Je vous le dis. Et toute l'année, pas qu'à Noël. Allez. Bon, allez, une troisième bande. Et je pense que ça suffira pour les pranker. À mon avis que ça va pas marcher, Esteban. Pourquoi ça marcherait pas? Regarde, ils nous observent. Comment ça, il nous observe? Oh ah, vous pensez me piéger comme ça? Bah t'es tombé? Alors tomber. On fait moins le malin? Ah, bon allez. Lily Rose, tu es vraiment la moins... Ah, il se fait prendre. Aidez-moi. Oh non, mais c'est quoi ça? Allez, bien fait là. Attends, regarde ce que je vais faire. S'il te plaît. Bah, vas-y, à son tour, voilà. Vas-y, aide-moi, Lily. Enroule-le. Allez, comme ça, tu diras à tes amis, hop. De plus nous embêter. Un deuxième lutin farceur. Voilà. On est bien tranquille. On va avoir encore une bande de scotch, bah, décidément. Ah non, t'as tout usé le scotch. Ouais, bah elle va tout user. Bon, il faut qu'il en reste pour les autres lutins. Bon, ça c'est fait. On le met où? Pareil, au garage. Allez, où? Qu'est-ce que tu fais? Bon, les amis, c'est très très bien. On a piégé 2 lutins sur 3. Enfin, on pense qu'il y en a 3. Donc, à mon avis, on a un troisième dans la maison. J'espère qu'on va réussir à le piéger avant la nuit. Parce que moi, je vais pas dormir tant que j'ai pas piégé. T'as une idée ou pas d'un troisième prank? Non, j'ai pas d'idée. Mais j'en peux plus. À chaque fois, ils s'en sortent. Ok. De toute façon, bon. À partir du 25 décembre, à mon avis, ils seront plus Normalement, là. À partir du 25 décembre, ils rentrent au pôle Nord. Ils ouais. seront plus là. Bah, j'espère parce que. Hein... Bon, allez, viens. On sort d'ici. On peut pas les piéger plusieurs fois au même endroit. Ils se parlent entre eux et ils savent qu'il faut pas retourner là. Bon, en tout cas, les amis, on va réfléchir à des idées de prank. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À nous dire en commentaire des idées de prank qu'on peut avoir pour les lutins farceurs. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et activez la cloche. Et surtout, à bientôt pour une nouvelle vidéo.